Salut les petits Mac-merdes. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va fabriquer une griffe avec trois griffes et le manche pour les tenir. Donc les griffes, je vais les faire dans une planche de contreplaqué, ce qui sert pour les étagères lambda. Donc on va commencer par les griffes. Donc il en faut trois de même taille. Donc je vais commencer par en dessiner une à la main dans mon contreplaqué que je vais d'abord découper et ensuite je me servirai de mon premier modèle pour faire les deux autres pour être sûr d'avoir les trois mêmes parce que je suis très nul en traçage. Let's go! Plein ma gueule, j'en ai pris. Donc deux petites choses. Premièrement, je suis parti dans quelque chose d'assez large, t'as vu? C'est simplement parce qu'après, quand je vais le limer et tout, bah ça va repéter sinon. Ouais. Sois pas con. D'accord. Et là, je suis parti volontairement sur quelque chose de plus fin. Comme ça, j'aurais moins de mal à le pointer dans ma base. Ok. Donc maintenant que j'ai mon modèle, je vais le découper deux fois encore. Réflexe. Maintenant pour le manche, je pars sur quelque chose d'assez large, il faut que ça puisse tenir ma main. So. On va commencer par poncer notre petite griffe. Alors, on va arrondir là pour dégrossir un peu parce que ça fait moche et ça fait trop droit. Là, on va donner un petit aspect lame en ponçant bien. Et après, on va se mettre un doigt dans le cul. Salut, je t'évite, hein. Allez, hop. Voilà, ensuite, sur ton grand truc là, on va venir pointer nos griffes. Bon les petits gars, normalement il devait y avoir toute une armature en bois pour pouvoir le tenir comme ça et en fait je trouve que ça va faire totalement horrible. Du coup à la place je vais laisser comme ça, bon ça on s'en fout hein, du verre, et je mettrai des lances en fait, des anses, enfin on verra après ça. En attendant du coup que j'ai plus que ça à m'occuper, je vais faire une déco, je vais pas laisser en gros brut triangulaire comme ça. Je vais faire des petits arrondis en trous dedans et certainement des petits trous devant, ok. Donc là je vais prendre ma lime. Je vais faire des petits ronds au compas et je vais creuser dedans pour lui donner une forme un peu plus sympatoche. Ok. Bien. Bah. Finalement, au Dremel, j'ai à peu près réussi à avoir ce que je voulais. Du coup, bah, j'ai plus le choix. Faut que j'ai le même de l'autre côté. Voilà. Ponçage. J'aime bien me compliquer la vie.
Bon, j'ai pas spécialement réussi à avoir symétrique, mais j'ai explosé tous les embouts de ponçage du drumhead que j'avais pour faire ça, donc on va dire que ça va le faire. Du coup, ce qui m'emmerde un peu, c'est que je voulais pas laisser si carré que ça ici, mais j'ai plus le matériel nécessaire pour faire une découpe propre, quoi, en fait. Parce que là, si je vais m'attaquer à ça à la lime, ça va me prendre le reste de la journée. Si j'y vais. Voilà, pour la déco. Donc j'ai mis des bandes de... Je pense que c'est des trucs comme pour les sacs à main, quoi, en fait. Ou les sacs à dos, tu sais, que tu sers pour serrer, enfin bref. Vert, j'ai choisi vert parce que j'avais que vert. Ensuite j'ai fait un gros trou, là. Alors si tu dis, ah mais il est vachement beau ton trou, c'est parce que j'ai fait avec ça, hein. C'est pour faire les trous. Ensuite, j'ai percé des trous plus petits dans lesquels j'ai enfoncé des perles au marteau, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais te dire? Et maintenant pour la lame, je vais faire comme d'habitude, je vais la bomber avec la bombe de peinture blanche. Et avant que ça sèche, je vais étaler avec un chiffon. Ce qui donne un côté comme ça, quoi, blanc, blanc pâté. Qui fait assez joli, je trouve. Let's go! Et voilà, votre griffe est à présent terminée. C'est magnifique, oui, youpi. Voilà, c'est la version pas vernie, parce que j'ai fait l'intro avant de vernir. Je suis comme ça, c'est ce que je veux. Donc voilà, oui, c'est pas compliqué. Bien sûr, si tu veux que ça fasse plus griffe, tu fais plus fin. Après, pour l'accrocher, j'ai simplement pris les attaches des sacs à dos, là. Ça t'a plus qu'à serrer autour de ta main. Si tu veux vraiment que ça tienne, bah t'en mets un deuxième là. Ah fais chier putain! Ensuite, bah c'est tout. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de regarder la prochaine, ça serait cool. Et puis partage, si t'as que ça à foutre, ça serait bien. Ah oui, puis pour le... Qui est où, qui est là? Pour le kunai de Minato, qui était à gagner dans une précédente vidéo de fabrication d'armes. Où j'avais dit meilleur commentaire, blablabla. C'est donc Jeanne-Li qui a gagné. Alors ça tombe bien parce que je vous cacherai pas que je voulais la faire gagner en loose day. Hein, parce que ça fait longtemps qu'on la connaît, c'est une fan de la première heure, elle est devenue pote, machin et tout. En plus c'est elle qui m'a demandé de le faire. Et bah, comme c'est la seule à avoir commenté, elle n'a même pas besoin de me faire chier à savoir qui c'est qui gagne. Donc voilà, félicitations, tu as gagné le kunai de Minato. Ou faudrait d'ailleurs qu'on s'envoie nos adresses pour que je puisse te l'envoyer. Ça serait pas mal. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à plus tard. Voilà, dans 5 minutes. Big bisous. Bye bye. Bande de coups. Oh, wow.